Bonjour, je suis François C. Delacoudre, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Bassist Mag. Aujourd'hui, on voit comment travailler les bends à la basse. Les bends à la basse, c'est une technique qui n'est pas très usuelle. On la retrouve beaucoup dans le style des années 60-70, et à partir des années 80-90, elle disparaît légèrement, même si des bassistes comme Billy Sheehan ou Cliff Burton ont continué à l'utiliser. Je me suis dit que c'était cool de vous montrer un petit peu les bases du bend à la basse pour que vous puissiez éventuellement l'incorporer dans votre jeu. Ça donne des couleurs vraiment sympas. Moi, notamment, je l'utilise énormément dans mon jeu parce que c'est un style et un effet de jeu que j'aime beaucoup. Donc, je vous montre tout de suite, à partir de 3 exercices, comment bosser. Et j'espère que ça vous permettra de développer plus votre propre jeu. Avant d'attaquer ces exercices, je vous montre très rapidement la technique, en fait, surtout le doigté qu'il faut utiliser. Effectivement, quand vous bendez les cordes de basse, les cordes sont assez épaisses, il faut bien tirer dessus. Si vous gardez une position très classique comme ça, c'est d'un seul coup plutôt compliqué de monter la corde et on se fait rapidement mal. Là, il faut utiliser une technique plus guitaristique qui consiste à mettre le pouce au-dessus du manche. Effectivement, les trois doigts de cette manière. Et comme ça, vous avez un bon levier pour monter la note. Ce qui est plutôt pas mal et c'est pas trop fatigant. Alors après, ça vous obligera un tout petit peu à adapter à chaque fois la technique. Mais bon, globalement, une fois que vous avez chopé le coup de main, ça va assez vite. Donc, je résume, le pouce au-dessus du manche, les trois doigts sur la corde et on vient tirer en utilisant le pouce comme levier. Ça, c'est une manière de ne pas se fatiguer et de ne pas se faire trop mal aux doigts. Bien sûr, vous verrez qu'après, c'est le bout des doigts qui va commencer à chauffer, mais je vous laisse le découvrir. Si cette vidéo vous a plu et que vous aimez bien ma pédagogie, n'hésitez pas à me retrouver sur ma chaîne, toujours sur YouTube, François C. Delacoudre. Voilà, c'est assez simple, vous tapez ça dans la barre de recherche. Et vous verrez, j'ai pas mal de vidéos pédago sur ma chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. On se retrouve là-bas, à très vite.